Good morgen, allez Yidel Nutus, aujourd'hui le Nishmat, Moshe Ben Yaakov Taraba Kohen. Si vous souhaitez vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah, comptez 5 minutes éternelles, nous étions dans Sechet Megillah, Perek Aleph, Mishnah Bet. Keitzad, Chal Liyot Yom Arba'a Asar Bashanim, Kfarim Vayarot Gdolot Korin Bo Bayom, Mukafot Choma Lemachar, Chal Liyot Bashlishi Ubarevi, Kfarim Magdim Inyom Knisa, Vayarot Gdolot Korin Bo Bayom, Mukafot Choma Lemachar. Je pense qu'on va s'arrêter, ça sert à rien que je veux dire, au moins qu'on comprenne directement de quoi ça parle, comme ça il y aura plus d'intérêt pour la lecture ensuite. On rappelle là, ce qu'on a appris dans la Mishnah précédente, que Purim ça tombe le 14 et le 15 Nissan, 14 pour les villes, les grandes villes, classiques, 15 pour les villes fortifiées depuis, datant de l'époque de Yeshua bin Nun. Ça tombe le 15. Maintenant, il y a une permission, dérogation qui a été donnée pour les petits villages, que dans les petits villages, il n'y a pas de gens qui sait lire la Megillah comme il faut. Donc du coup, on leur a fait une certaine permission, on leur a dit, puisque de toute façon, vous montez, vous entrez, vous venez à la ville constamment le lundi et le jeudi, les jours où il y a le Bet Din, pour leur poser des questions de dîner mamonote et tout ça, eh bien, on va vous permettre que lorsque vous allez venir le lundi ou le jeudi qui précède Purim, vous allez pouvoir lire la Megillah. C'est-à-dire, si pour la secondaire maintenant dans la Mishnah, concrètement, chaque jour de la semaine, si ça doit tomber un mardi, un mercredi, donc mardi, mercredi, ils ne viennent pas à la ville, on ne va pas leur imposer de trouver quelqu'un qui va lire dans leur petit village là-bas, on va leur dire non, quand vous allez venir le lundi qui précède, lisez la Megillah, entrez à la synagogue. Et c'est exactement ce que la Mishnah va me dire. En fait, on va voir, selon le jour de la semaine où la date du 14 Adar va tomber, quand liront les villages, quand liront les grandes villes et quand liront les villes fortifiées. A chaque fois, on va commencer avec le premier. Keitzad, comment se présente le cas? Chal lihiyot arba asar bashen. Le 14 est tombé un lundi, yom sheni. On a commencé avec le plus simple de la semaine. S'il fallait commencer avec le dimanche, ça aurait été compliqué, comme ce qu'on verra, c'est le dernier cas de la Mishnah. Donc on a commencé avec d'abord le lundi, c'est plus facile. Eh bien, kfarin vayerot gdolot korin bobayom. Les villages, comme les grandes villes, liront Bobayom le jour même, le 14. Pourquoi? Parce qu'on est lundi. De toute façon, les villageois, vous montez tous, vous entrez à la ville. Donc, même ceux qui avaient une hésitation sur ce qui allait venir, venez tous et on résout le problème. Au Mukafot Roma, les Machar, et bien sûr, les villes Mukafot Roma, entourées de murailles, les villes fortifiées, eh bien, liront le lendemain, le 15 Nissan, 15 Adar. Chal Eliyot Bashlishi au Barévi. Si maintenant le 14 tombe un Shlishi au Révi, Nanou, un mardi ou un mercredi, alors là, Kfarin, Magdimin, Eliyot, Maknissa, les villages vont pouvoir avancer au jour où on entre dans la ville, donc au lundi précédent. Vayarot Gdolot, Korin Bobayom. Et les grandes villes, les villes qui ne sont pas des petits villages, eh bien devront lire le jour même. Soit ça tombe mercredi, eh bien les villages vont lire le lundi, donc ce sera le lundi 12 Adar. Les villes vont lire le 14, le mercredi 14, Adar, ou Mokafot Roma le Machar, et les villes fortifiées vont lire le lendemain. Et on continue maintenant. Chaliot Bachamishi, ça tombe le jeudi. Et on Chamishi, le jeudi. Nouveau, même système. Kfarim, les villages, comme les Vayarot Gdolot et les grandes villes, Korin Bobayom, ils liront le jour même, ou Mokafot Roma le Machar, et les villes fortifiées liront le lendemain, comme c'était le cas cette année, 5782. À Yerushalayim, on a fait Korim le vendredi avant Shabbat. Ensuite, Chal Eliyot Erev Shabbat, le 14 va tomber la veille du Shabbat, comme c'était le cas Tavshin Pealef, c'était tombé à Shabbat, un veille de Shabbat le 14, donc on se retrouve comme ça. Kfarin Magdimin Leyom Aknissa, les villages, on va leur dire d'avancer le jour du Yom Aknissa, d'avancer la lecture au Yom Aknissa, donc ce sera le jour où, de toute façon, dans la ville, le jeudi qui précède, ce sera le jour du Tanit Esther, le 13 Adar. Vayarot Gdolot, Umukafot Roma, Korin Bobayom. Et les grandes villes, ainsi que les villes fortifiées, liront tous le 14 Nissan, le vendredi. Parce que, là, on fait un petit break et on explique pourquoi les villes fortifiées vont lire le 14. Parce que d'abord, lire le Shabbat, c'est impossible. On ne permet pas de lire le Shabbat pour deux raisons. On l'a évoqué dans la Gemara. Une première raison, d'abord, parce que toutes les mitzvot qui tombent le Shabbat, Chachamim ont annulé la mitzvah, le Shabbat lui-même, de peur qu'on va se mettre à
transporte manger. Je précise, toutes les mitzvot où il y a besoin d'un certain, comment dire, d'apprendre un apprentissage bien précis, comme lire la Megillah sans faute, comme sonner le shofar, comme le lulav, comment faire le nanouim. Ramim nous dit, on préfère annuler la mitzvah du Shabbat, de peur que si on va laisser la mitzvah en vigueur, il va y avoir des gens qui ne savent pas bien faire la mitzvah, et qu'on se mette à transporter leur lulav, leur shofar, leur Megillah, pour partir apprendre pendant Shabbat et transporter pendant Shabbat sur la voie publique. C'est très grave. C'est un interdit minatora de Otsaha. Ok? Donc Rahamim ont annulé la lecture le 14. Maintenant, en théorie, on a annulé toutes ces misotes le Shabbat. Donc là, on est sur le cas où la Megillah tombe le 14 Adar. En théorie, le 15, ça tombe pendant le Shabbat. Il faudrait lire avant le Shabbat. On va dire, non, ne lisez pas pendant le Shabbat. L'idéal aurait été, ben, lisez le lendemain. D'ailleurs, entre parenthèses, quand ça tombe comme ça en Purim Meshulash, le Mishté, on va le faire le dimanche qui suit, le 16. Mais malgré tout, par rapport à la lecture de la Megillah, c'est impossible de déplacer le 15. Comme il y avait écrit, Megillah n'ikret bechadassar, 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 bechamishassar, lo pachrot, velo yeter, ni plus ni moins. On ne pourra jamais dans le 16, parce que c'est écrit dans le Pasouk, velo yavor, on ne dépassera pas cette date. Donc, on avance au 14, et on va se mettre à lire la Megillah à Yerushalayim, on a vu le fortifier, le 14, Adar uniquement. Chalelihiyot beshabbat. Si maintenant le 14 Adar va tomber à Shabbat, chose qui n'existe plus dans notre configuration d'aucune manière, parce qu'on a prévu le calendrier que ça n'allait pas tomber, à cause de Pessah cette fois-ci. Toujours en fonction de Pessah, on a Lo Badou Pessah, Velo Adou Roche, si vous connaissez la phrase. Lo bet dalet vav Pessah. Pessah ne tombe jamais un lundi, un mercredi ou un vendredi. D'accord. Lo badou Pessah, velo adou roche et roche chana lo adou. Il y a des raisons pourquoi, par rapport à Shavuot, par rapport. Il y a des raisons. Mais en tout cas, suite à ça, calculez maintenant 30 jours en arrière, ça va tomber que suite à ça, vous allez avoir le calcul que Pourim ne peut jamais tomber un Shabbat à notre époque. À l'époque, si on fixait le Shabbat selon le témoignage des témoins, eh bien, dans ce cas-là, ça pouvait tomber en Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, qu'on soit clair. Il y a deux choses que vous savez d'office. C'est tout d'abord, bon, bah, les villages, de toute façon, ils ne peuvent pas lire pendant Shabbat, donc ils vont lire le jeudi d'avant. Donc ils vont lire le 12 Nissan. Oui, 12 Nissan. Les villes fortifiées, le lendemain, eux, le 15, ce sera dimanche, ils iront lire la Megillah le dimanche. Motsé Shabbat, ils vont se réunir à la Beth Knesset, ils vont lire la Megillah pour le 15. Mais les grandes villes, ils ne peuvent pas lire le 14. Ils ne peuvent pas lire le 15. En théorie, le plus simple aurait été, lisez le 13. Lisez le jour qui précède, le vendredi. Mais non, on ne va pas faire ça. Si déjà, regardez, Kfarim, Bayarot, Gdolot, Magdimin, Vekorin, Yom Knissa. Les villages, comme les grandes villes, ont tous devancé au jeudi d'avant. Donc, votre Omar, les Machar et les villes fortifiées vont lire le lendemain. Cette façon n'était quelque chose de particulier pour les grandes villes. Au lieu de leur dire de lire, vous ne pouvez pas lire le 14, lisez le 13. On va dire non, non, mais si déjà, lisez le jeudi d'avant. C'est très simple. Si de toute façon il va falloir déplacer la date de Pourim à une autre date qui est plus Pourim, l'envers, on va choisir une date qui est beaucoup plus pratique, pas Erev Shabbat, où on est bousculé par les préparatifs du Shabbat, et par exemple ça, le fait d'avoir arrêté de micheter pour se préparer à l'entrée du Shabbat, c'est pas pratique, donc du coup, puisqu'on va le déplacer, et on va le déplacer franchement, de toute façon tu vas plus fêter Pourim à la date de Pourim. À la différence du cas, bon bref, ouais, d'accord, à la différence du cas où ça tombe le 15 et qu'on va déplacer la lecture. Sans entrer dans trop de détails. Concrètement, puisque de toute façon tu as plus le célébrer à la date, alors viens, on va choisir une date beaucoup plus pratique. Et on continue maintenant, dernier cas de figure, c'est Khaliot Achar Shabbat, ça tombe le lendemain du Shabbat, en l'occurrence le Yom Rishon. Et bien, dans ce cas-là, faites le calcul tout seul, regardez. On va voir. 14 Nissan qui tombe un dimanche, c'est très simple. Le dimanche, c'est le jour où les villes vont lire. Le lendemain, les jours les grands où les villes fortifiées vont lire. Et les petits villages, et ils vont devoir lire le jeudi d'avant. Donc, on va être dimanche 14, samedi 13, vendredi 12, jeudi 11. C'est le cas de figure où la Megillah va être lue le 11 Adar. Khaliot Achar Shabbat, donc si ça tombe après le Shabbat, Yom Rishon, Kfarin Magdimin Maknissa, les villages vont avancer le jour, au jour de la
où ils vont de toute façon entrer dans les villes qui sont le jeudi, qui précèdent. L'Aïrod Gdolot et les grandes villes vont lire Bobayom, Mokafot Roma, les Machar. Et les villes fortifiées vont lire le lendemain. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.